Bonjour les amis. Le français n'est pas facile. Il y a plusieurs règles à suivre et plusieurs exceptions. Mais ça n'est pas si difficile que vous le croyez. Aujourd'hui, je vais parler de la différence entre bien et bon. Comme les deux ont le même sens en anglais, good, c'est difficile de comprendre où utiliser bien et où utiliser bon. On y va. Quand même de les distinguer en trois règles pour vous. La première règle, bon est un adjectif et bien est un adverbe. Et comme bon est un adjectif, il est utilisé avec un nom, alors que bien est utilisé avec un verbe. Voyez ces exemples. C'est un bon restaurant. Ici, restaurant est un nom. Et pour qualifier ce restaurant, on utilise l'adjectif « bon ». Ce restaurant me paraît bien. Ici, « bien » est utilisé pour le verbe « paraître ». Essayez autrement. C'est un bien restaurant. Ce restaurant me paraît bon. Ça va? Non, ça va pas. Donc, première règle, on va utiliser « bon » avec un nom et « bien » avec un verbe. La deuxième règle, on utilise « bon » pour dire « d'accord » et pour dire que c'est correct. Voyez un exemple. On se voit demain, c'est bon? Ça veut dire que c'est ok si on se voit demain. Voyez un autre exemple. La quantité est bonne. Ça veut dire c'est correct, c'est la bonne quantité? Pour apprécier une action, on utilise « bien ». Par exemple, tu apprends le français. C'est bien. La troisième règle. Pour tout ce qui est lié au goût et l'odeur, on utilise « bon » et pour le reste, on utilise « bien ». Par exemple, ce vin est bon. Ce parfum sent bon. Et voilà, c'est tout. Ce n'est pas trop compliqué, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien d'apprendre le français. Merci et à bientôt.